Effectivement les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, épisode 18 de notre aventure suivie sur l'aventure des enfers. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, vous pourrez observer énormément de changements. Alors déjà on va faire le petit tour du propriétaire. Déjà j'ai un chien que j'avais déjà pas dans le dernier épisode, que je vais renommer. Et que j'ai réussi à avoir, alors je pense que je vais l'appeler Yona. Ouais, ça passe bien Yona. J'apprécie Yona. Bref, j'ai aussi récupéré du fer. Du fer, j'ai eu du diamant, j'ai eu du lapis lazuli, j'ai eu une underpearl aussi. J'ai eu des slimes, j'ai eu plein de trucs, j'ai eu énormément de trucs. J'ai demandé déjà... Voilà, j'ai eu énormément de bouffe aussi, comme vous pouvez voir. Et j'ai déjà demandé à Nico, à Melvin et à Christopher qui me rejoignent du spawn à ici pour dire qu'on puisse tourner l'épisode 20 ensemble. Donc, jusque-là, je pense que vous aurez compris qu'ils seront sûrement dans l'épisode 20. À voir avec eux, ou alors un par épisode, donc épisode 20, 30, 40. N'hésitez pas à le dire tout de suite à partir de maintenant. Si vous voulez participer déjà à l'épisode 20, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Que je vous mettrai. J'ai pu enchanter ma pioche et mon arc. Donc jusque là tout est ok. Je vais prendre un peu de lapis lazuli et je vais réenchanter un arc. Non, comme ça, voilà. Je vais réenchanter un arc. Et je refais 3 bibliothèques par la suite. Aussi, parce que je vous rappelle qu'un creeper avait explosé nos bibliothèques et qu'on n'avait pas pu... On n'avait rien pu faire avec. Ouais. Power quoi. Moi j'en ai pas. Laisse tomber, je vais garder mon Power 2. Ça, je vais le ranger dans les coffres. Il n'y a pas de place. Génial. Plus de place. Alors nous, objectif de cet épisode, ça va être de tout transmettre. Donc les coffres, tout le barin qui est là. La table d'enchant, tout dans la maison. On va aussi finaliser les étages. On va changer quelques blocs. Et je vais pouvoir... déjà déplanter les champs, ou par la suite je vais le faire, non? Ouais, je vais laisser encore pousser un petit peu, puis je vais tout déplanter et tout replanter. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Parce que ça a vraiment besoin. Voilà. Hop! Je vais pouvoir le poser là-dedans. Non. Bah là-dedans alors. Non plus. Donc là-dedans. Non plus. Ok, génial, tous les coffres sont pleins. Il va falloir qu'on fait le tri aussi des coffres, parce qu'il y a énormément de choses. Ça c'est ce Christopher, Melvin et autres, bah, tous ceux qui m'ont rejoint, ont ramené du spawn jusqu'ici. Alors je leur ai demandé de prendre quelques fleurs, des conneries. Ouais, toutes des conneries qu'on puisse qu'on puisse améliorer la map, faire une petite décoration par la suite aussi. Et aussi, ils ont refait mon stock de bouffe. C'est pour ça que j'ai autant de bouffe. J'ai été visiter un bout de la map là-bas, donc j'ai fait tout le tour de la map ici, là. Et donc j'ai actualisé les biomes. Les biomes sont apparus et il semblerait que j'ai croisé un ours. Donc il y a possibilité d'avoir des ours dans le biome pleine neige qui est là-bas. Voilà, donc sachez-le, c'est possible de l'avoir parce que j'en ai déjà eu un. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais me faire des coffres. Est-ce que j'ai des coffres? Non, je vais réutiliser ces coffres-là. Je fais des bêtises, attendez. Voilà, donc ce coffre, on va l'utiliser pour stocker mon brin que j'ai sur moi actuellement. Voilà, tout ce que je vais garder c'est ça, et tout le reste, eh bien, on va l'utiliser pour mettre dans notre inventaire. Alors on va déjà commencer par virer ce coffre là. Ah, non, on casse pas le double coffre entier, attention. Je croyais, au début j'ai cru. Voilà, donc là j'ai encore un peu de place dans mon inventaire. Non, est-ce que je peux, non, ça je le laisse là. On va aller commencer à mettre le double coffre dans la maison. Alors maintenant, vous dire exactement où je vais les mettre, c'est une très bonne question. Alors attendez, moi ce que je pensais faire aussi, c'est un trou ici, ou en tout cas un passage secret, pour dire de faire un passage ici et aller ramener directement notre maison aux mines. Comme ça, bah, en fait, on passe ici, dans un passage secret, pour aller relier directement dans les mines. C'est nos mines qui sont sous la terre. Ça pourrait être intéressant. Le portail du Nether... que je pourrais faire éventuellement au niveau des mines aussi. J'ai déjà décalé mon lit. Mon lit, je l'ai mis là et j'en ai mis un à l'étage pour les invités. Ou vice versa, hein.
avoir celui qui veut bouger en haut. Voilà, donc regardez ici, voilà, j'ai mis le lit au calme, c'est posé, avec une petite fenêtre pour voir clair. Et je vais voir si je peux pas caler mes coffres quand même dans un endroit assez caché, restreint, parce que sinon, j'ai pas envie que tout le monde va voir, quoi. Hop. Évidemment, j'ai oublié quelque chose. Ma pioche est à l'étage. Génial. Alors, je vais voir si j'ai assez de redstone. Mais on va se faire un système en redstone aujourd'hui pour pouvoir faire notre salle. Notre salle qui nous permettra de. En gros, notre salle des coffres. On va déjà faire le système et voir ce que éventuellement je peux faire. Alors, je vais déjà prendre. Je vais reposer ce que j'avais pris là. Voilà, donc j'ai fait des bêtises encore une fois. Je vais reprendre juste le nécessaire, c'est-à-dire une pioche, mon épée pour me défendre. Il me faut de la redstone, du bois. Donc je vais prendre un stack de pierre, hein, pour m'emmerder. Pierre, bois, redstone, du fer. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Je suis sûr que je vais oublier un truc, je vais devoir remonter tard. Je le sens bien, je le sens bien. Ça sent, ça pue la merde. Je dois remonter, je le sens. Je vais me faire un jukebox. Donc il me faut un diams. Il me faut du bois. Du bois, prends encore du bois. Là. Prends l'arche de bois, comme ça on sera tranquille. Ou non, je sais comment je vais faire mon système. Il me faudra des fours. Et en même temps, ça me servira de salle des coffres. Donc, il me faudra des fours. Trop à un moment. Est-ce que j'ai pas encore des fours? Ici, je vois pas de fours. Ici, est-ce qu'il y a des fours? Non plus. Et ici, il n'y a pas de four non plus. Bon. Écoutez, on va faire des fours. Parce que je vais faire une salle des coffres en four. Vous verrez, j'ai déjà mon idée. Et ça va sûrement rendre pas mal. Donc, 8, 14, 14 et 8. Hop, 32, 16, 32, hop, bam. 22. 22. Ça. La hache, très important, prendre la hache, ça pourra nous servir. Donc ça, hop, on peut le dégager au-dessus. Si tu peux me remettre ça là, ça serait cool. Voilà. Voilà, on va récupérer ça. On va récupérer. Hop. Quand même la moindre des choses. Et je vais refaire un dernier tour du propriétaire pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, regardez. J'ai déjà des coffres là. Magnifique. Donc ça c'est plutôt cool. Gunpowder. Non, ça sert que à la TNT. Je vais prendre encore de la redstone au cas où. Le mec. C'est jamais la redstone, il va en falloir un bon paquet à mon avis. Donc on va tout prendre. Je crois pas que j'ai besoin d'or pour faire de la redstone. Non. Peut-être des panneaux. Pour bloquer de l'eau, si éventuellement, peut-être que. Non, sinon, dans l'ensemble, je crois que j'ai tout pris. Du fer, j'en ai pris 26. Je vais en prendre un petit peu plus quand même, juste pour dire d'être sûr. J'ai beau regarder, hein, je vois pas ce que je peux prendre encore. Hein. Non, non, je pense que j'ai tout pris. Bon, bref, on va aller voir. Et puis, si jamais il nous manque quelque chose, eh ben, tant pis, on reviendra. Mais il me semble que j'ai tout pris. Alors, ce que je voudrais faire, c'est un système pour. Comment vous dire? Je pense qu'il y en a déjà qui ont compris ce que je voulais faire. Déjà, je vais faire un mur de four. Donc, maintenant, à vous dire où je vais mettre ça, je sais pas. Lol. On va déjà faire ça. Alors, on va faire un mur de four. Donc 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc là, on aura notre mur de four. Sur les fours, s'il te plaît. Les fours, vous êtes où là? Voilà, donc 20 fours. Voilà, 20 fours. Donc là, il y en aura des fours, hein. Et je vais utiliser ce four-là. Et ce four-là. Et celui-là aussi. Lol. Donc ces trois fours. Maintenant. Voilà. Derrière les fours. Pour pouvoir travailler sur le système. Donc vous de votre côté vous pouvez le refaire aussi, hein. C'est pas un tuto Redstone, mais bon, on est dans le même délire, hein, pour dire de pouvoir faire un petit système pour se faire plaisir. Si jamais il y a moyen, n'hésitez pas. Hop. Donc ce qu'on va faire, je vais encore agrandir un petit peu, juste pour se donner un peu de place. Et la porte, je vais la faire de l'autre côté. Non, pas en hauteur. On va reboucher. Voilà. Voilà. Donc, je vais creuser aussi. Ok, une grotte là. Y a ma maison derrière, salopard. Crève-pot. Elle est belle. On est où là? Ah bah voilà, regardez. Un truc intéressant. Donc c'est ici que je vais faire ce que je voulais faire, je vais le faire là. Bon, je verrai ça après. Mais je vais faire un système ici. Par la suite, encore une fois. Voilà. Voyons ce que je vais pouvoir faire maintenant. Alors, attends, déjà, je vais reboucher ça. On va reboucher ça en mode vulgaire, hein, Balek. Jusque-là, tout est ok. 4, 4, et le petit 1 que je veux mettre là. Voilà. Donc, il va nous falloir. Il va nous falloir une table de craft. Déjà, est-ce que. Oui, j'ai pris une table de. Donc, cette table de craft, on va venir la claquer ici. Dans le tronc. Bam! Ça, il y en a une là. Je vais aller poser mes tables de craft. Comme ça, je serai tranquille. J'aurai pas besoin de les avoir dans les pattes. Et je. Voilà. Je vais en mettre une là. Je crois qu'en plus, on voit par l'extérieur comment ça fait. Ça fait dégueulasse. Je vais en mettre une là. Bon, on le voit ici. Hop. Je vais aller récupérer la bûche qui est au-dessus là. Voilà. Et je vais venir faire du cache-misère comme ça. Voilà. Ça se verra pas. Hop. On va descendre ici. On va récupérer notre table de craft. On va descendre. Et en attendant, je vais venir la poser là. Voilà. Donc. Ça, c'est fait. Notre table de craft, on va la reprendre. Parce que ça, c'est celle qui sera dans la salle des coffres. Alors, il me faut
Du fer. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Attendez. Ah, il me faut du quartz. Je crois qu'il va me falloir du quartz. Ou alors c'est de la pierre. Oh, je sais plus. Dans tous les cas, je crois que j'avais pris assez pour aller dans le nether. Donc je crois qu'il va nous falloir du quartz, les amis. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors attendez. Non. Déjà, on va pas faire ça. On va faire ça. Ça. Voilà. Hop. Voilà, 12. 12 et 64. Voilà, donc on a 20 torches. 20 torches. Normalement, c'est peut-être de la pierre. Mais je crois qu'il va falloir du quartz. Le mec, il sait plus faire un répéteur, quoi. Non, mais sérieusement. Attendez, je vais déjà aller dormir. Et je vais vérifier ça sur le wiki. Mais il me semble que normalement, pour faire des répéteurs, il faut du. Vous voyez, à force de travailler. Travailler sur la redstone, mais sur. Sur ordinateur. En créatif, ce que ça fait. Bon, on se souvient plus des crafts. Voilà, c'est malin. Alors. Craft du répéteur. Alors, voyons. Le craft du répéteur se fait. Ah non. Mais alors, le comparateur, c'est bien avec. Craft du comparateur. C'est bien avec du quartz. Ouais, c'est bien avec du quartz, j'avais raison. Donc, le comparateur, c'est avec du quartz. Et le répéteur, c'est avec. Ouais, bref, je me suis compris, c'est bien. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc ça, on va venir le caler là. Hop, on va tout mettre dedans. Parce que là, on va aller dans le nether pour chercher du quartz, parce qu'il va nous falloir du quartz, les amis. Je pense qu'en fer, le time d'y aller, il y a largement moyen. Et je pense pas que la salle des coffres sera finie dans cet épisode-ci. Bon. Je vais. Normalement, j'avais. Voilà. J'avais déjà prévu le coup, les amis. Maintenant, à voir où je vais le mettre. XD. Hein. Vous voyez comment je suis rigolo, moi? Voilà. Donc. Donc. La bouffe, c'est là. Ça, c'est ici. Ça, c'est en complément. Voilà, ça, c'est à échanger si jamais besoin est. Bam, ça c'est un complément, complément, la bouffe c'est ici, la bouffe c'est ici, bam bam bam, ça c'est un complément de ça, bam 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 bam, allez hop, attaque. Ah, il y a 9, oh il y a 3 œufs, elle est belle. Et je crois qu'on va essayer de faire une usine à œufs, comme ça on pourra. Des tartes à la citrouille illimitée. Bref. Il y a aussi un système pour le portail du Nether à faire. Quand on va faire un système pour le portail du Nether. Je vais faire le portail ici. Attendez. Normalement, c'est comme ça. Oui, je vais faire un portail pour. Un système pour le portail du Nether. Comme l'aventure des enfers saison 1, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. On va tout de suite tailler là. Donc le système en lui-même derrière, il est pas très très compliqué. Je le ferai en vidéo. Ou pas. Ha ha. A voir. Non, je le ferai en vidéo. Comme ça, vous pourrez voir comment on fait. Mais dans l'ensemble, il est plutôt simple, ce système. J'ai pas de silex. J'ai pas de silex. Je vais aller voir pour chercher du silex. Pour faire un briquet. Donc il me faut du silex. Et... Silex
and I want Lego pour me faire un joli bouquet. On va récupérer quand même pas mal de choses hein, dans le Nether. On n'est pas là pour visiter le Nether. On est surtout là pour récupérer du quartz. Mais y a, on va quand même récupérer ce qu'on trouve sur notre chemin. Si on trouve des blocs de magma et autres, on va les récupérer quand même. Maintenant à voir. Tu peux poser sur le lit. Maintenant à voir. Pas tomber. Ouh. J'ai pas d'arc. J'ai pas de belle. J'ai pas de flèche. D'accord. Je vais récupérer du quartz. Oh, c'est trop facile à péter le quartz. Ah, le... Pas le quartz, mais le, la netherwack. Je vais en récupérer quand même pas mal. Voilà, ça va plutôt vite, c'est cool. Et ça fait surtout des levels. On va récupérer celui-là aussi. Ça. J'ai pas l'impression qu'il y a une forteresse ici. Dommage. Ah regardez, on a l'équipe de magma, donc c'est plutôt cool, vous voyez. Quand on génère pas la zone, il y a moyen qu'on on a les nouveaux blocs quand même. Oula. Petit rollback. Et on va rentrer à la maison maintenant, parce que j'ai assez de quartz. Par contre, il faudra que je sécurise là, parce que ça pue la merde. S'il y a un gaz qui tire d'un côté, nous on est de l'autre côté, on est mort. Donc je vais tout de suite procéder à la fermeture. Voilà. Portail fermé. On est tranquille. Alors, voyons. Donc, il va nous falloir énormément de choses. Déjà, on va reposer toute notre merde. Est-ce qu'on a des coffres? Ouais, on a des coffres. On va reposer toute notre merde. Celle-là. Tac. On va prendre des torches, ça va nous servir. Ce qui nous a ça nous servir encore, ça va être le quartz, quand même. Les orques sont fous. Le quartz c'est le plus important. Tout le reste, on prend. On va le récupérer. Parce que ça va nous servir. En tout cas, la plupart des choses qui sont là vont nous servir. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai du colle. Énormément de colle. Je sais pas pourquoi ça sert. Ah non, je l'avais dans les fours, c'est vrai. Donc à remettre dans les fours, ça. Bloc de colle, pareil. À remettre dans les fours. Bon. On va pouvoir donc procéder. Ah bah j'en ai 15, je vais les faire là. Paf, paf. Paf, paf. Allez, boum. Encore un. 32. 32. Pff, ça fait 52. Elle est belle. Voilà, 13. On va en faire 6. Même si j'en aurais largement assez. Je vais en faire 6. Donc je vais en faire 3, même sûr. 3. Il me faut du quartz. Donc par 3. Voilà. Voilà. Il y a un problème. Quel est le problème? C'est peut-être pas de la pierre. Je sais c'est quoi le problème. C'est pas de la pierre qu'il faut. C'est de la stone. Ouais.
Ah ouais, si, si, c'est de la pierre, mais c'est pas de la cobblestone, c'est de la stone qu'il nous faut. Du coup, au final, on est bloqué pour l'instant. Voir déjà comment commencer le système quand même. Il y a peut-être moyen, il y a moyen de le faire quand même. Donc, une fois qu'on aura activé notre système, attendez. Voilà. Je vais prendre des blocs, s'il te plaît, de pierre. Du moins que j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai comme bloc là? Je peux utiliser ces blocs-là déjà pour commencer. Sinon, je vais creuser en profondeur pour dire d'avoir un peu plus de blocs. Voilà. Je vais creuser pour dire d'avoir un peu plus de blocs. Voilà. N'oublions quand même pas de torcher. Ce serait dommage qu'il y ait un creeper spawn ici. Très clairement. Voilà. Donc, nous disons donc un comparateur ici et ici. Nous disons donc deux poutres de deux. Qui vont être liés à une torche chacune. Tac tac. Ceci va relier notre système à ce bloc. Attendez, je vais creuser. Est-ce que j'aurai besoin de place encore? Voilà. Va être lié à ce bloc. Et je me suis foiré. Pourquoi j'ai utilisé ce bloc, sérieux? Évidemment, elle est pas là. Elle est là. Voilà, donc, comme je disais, relié à ce bloc qui va désactiver cette torche. D'accord, jusque-là, on est OK. Il fait déjà noir, hein, le Ça va tellement vite. Et du fait que la maison est toute noire aussi, c'est assez chiant. Est-ce que nos pierres sont fondues? En partie. On peut en faire combien jusqu'à maintenant? 4. Bon allez. On va faire ce qu'on peut. Quartz. Il m'en faut, de toute façon, il m'en faut 3. Je vais en faire que 2, puis je referai par la suite si jamais il m'en faut. Voilà. Voilà. Deux répéteurs, il y en a là. Je m'en sais. Alors, je disais, comparateur. Qui va comparer ce qu'il y a dans le four. Voilà, qui va comparer ce qu'il y a dans le four. Donc, dès qu'on va mettre une chose dans le four, c'est-à-dire du charbon ou quelque chose dans le genre. Ça va tout de suite activer le système. Alors je sais pas par contre si je mets un charbon ce que ça fait. Ça va activer d'une poutre de redstone le système, d'accord. Maintenant, va falloir que je gère le système pour que. Voilà, parce que là. Alors. Faut que je regarde. On peut pas bouger la fenêtre, non? Voilà. Ah, attendez, John Mill. Alors, ce que j'essaie de voir, c'est le système. À quel moment la deuxième poudre va s'allumer? Voilà, maintenant. Donc, c'est-à-dire que dans chaque four, on doit mettre 13 items. Voilà. Sinon, la deuxième poudre, elle s'allume. Alors, le but, c'est que la deuxième poudre reste éteinte et qu'on. Comment dire? Et qu'on met un truc à cuire dedans. On va mettre un truc à cuire. Ça va activer le système. Donc, je vais en mettre 13 aussi là. Voilà, 13. Donc là, ça va faire exactement pareil. Le but.
et tente de désactiver cette torche. Ah non, j'ai des bêtises. Ah bah si, au final, si, je dis pas de bêtises, c'est correct ce que je dis. Voilà. Non, non, je dis des bêtises. Ce que je dis des bêtises. Donc vous allez relier ce système ici, par là. Comme ceci. Et je vais pouvoir tout simplement aller voir pour commencer à faire le système. Et je vais faire quand même une grande salle des coffres. Voilà. Alors. C'est pas forcément le plus intéressant à ce moment-là, les amis, hein, mais bon, écoutez. Je peux pas faire mieux pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on va dire que ça nous suffira. Il va me falloir... Ah merde, ça c'est quoi? Shot. Donc, la porte sera donc ici. Voilà, chat. Est-ce qu'il y a moyen de boucher le trou? Normalement, j'avais pris des panneaux, je crois. Ouais, j'avais pris des panneaux. Je vais aller voir, je vais chercher les panneaux. Ils sont sûrement les panneaux. Le mec. Voilà. Hop. Donc. Il va nous falloir des pistons. Eh, je savais que j'avais oublié quelque chose. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Je savais que j'avais oublié quelque chose. Et je vais aller chercher... Merde, ça s'appelle comment déjà? Les slime balls. Ah oui, parce que je les ai oubliés. Et là, comme il fait nuit, je vais me faire déglinguer, t'as voir. Non, il n'y a personne. Hop, je me casse. Donnez-moi un nom pour le chien, les amis, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'avais pensé à Yuna. Et... Mais n'hésitez pas à donner votre avis, à donner des noms dans les commentaires pour renommer le chien qui est en... Et puis, par la suite, j'aviserai. Et je choisirai le meilleur prénom. Maintenant, à voir ce que vous en pensez aussi. Alors, pour faire un piston, il nous faut des planches. Il nous faut... Ce que je n'ai pas, de la stone, qui est ici. Il nous faut, donc, de la stone, voilà. Il nous faut exactement 6 pistons. Donc, 6 pistons, comme ceci. Et maintenant, c'est le plus compliqué. Est-ce que la poudre est en bas, et le fer en haut, ou le contraire? Donc, il nous faut 6 pistons, moi je dirais, comme ceci. Voyons voir. Et bien, c'est le contraire. Ça, on a toujours une chance sur deux. Non. Mais dis pas que... Je me serais foiré quand même. Comment user du charbon en 30 secondes quoi. Avec Tina CDF. Voilà. Donc là, il va nous falloir donc... Oh putain, j'en ai pas assez en plus. Abusé. Si ça se trouve, c'est même pas ça en plus. Allez. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc il va nous falloir exactement 6 pistons.
Donc j'avais dit le truc en bas et le truc en haut. Le fer en bas et le fer en haut. Et voilà, j'avais raison, vous voyez. Voilà. six pistons, mais il faut qu'ils soient collants. Eh oui. Hop, 6 pistons collants. Dont une torche qui sert à rien. Je me pose pourquoi elle est là d'ailleurs. C'est pas l'additionner avec les autres. Ouais. Voilà. Il va me falloir les 6 pistons. 3, 4, 5 et 6. Deux blocs de charbon. Charbon, j'ai dit. Deux blocs de charbon. Alors. Voilà. Voilà. Donc, nous relions nos deux torches, ici, au même système. Bam, à ce bloc. Qui est posé exactement là. Voilà. Regardez sur votre écran et faites comme moi, ça sera plus simple. Je vais venir mettre sur le bloc qui est pointé par la redstone une torche. Cette torche va se désactiver vu que ça fera un inverseur. Il va me falloir poser un bloc ici et ici. Le but étant de réactiver la totalité des pistons qui sont là, des 4 là. Pour ça, il va falloir casser ici la poudre. Donc vous pouvez voir, ça s'est allumé. Donc le but va être tout simplement de poser une torche. Quand je vais désactiver, quand je vais activer notre système, donc je vais... Il y a un truc qui est descendu dans dans l'eau. Un os ? What ? Il y a un os qui est tombé dans l'eau, normal. Bref, comme je disais, quand vous allez voir qu'on va désactiver, qu'on va activer ce four-là et ce four-là en mettant quelque chose à cuire dedans, ceci va désactiver les deux torches. Les deux torches vont désactiver donc la poudre de redstone qui est là. Ça va donc activer la torche qui est là, comme ceci, et donc la porte va s'ouvrir. Voilà, tout simplement. Rien de plus compliqué que ça. Il va me falloir maintenant casser ça, 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 ça et ça. Le but étant va être maintenant de faire ça. Alors attendez, que je dis pas de bêtises, je vais mettre un bloc ici. Je dis des bêtises. Parce que là on va passer en dessous, donc je vais devoir passer encore en dessous. Voilà. Donc le but étant qui va tout simplement activer, voilà. Donc là les deux pistons ici sont activés. Le but va être tout simplement de venir, alors ici vous allez pas me mettre ça, vous allez mettre un répéteur. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi je vais mettre un répéteur ici, mais surtout mettez un répéteur, très important. Vous allez me reboucher le trou qui est ici parce que je l'ai mal fait, c'est tout. Posez pas de questions. Ici, vous allez me mettre un répéteur. Donc, j'ai fait assez de répéteurs, c'est bon. Vous allez pouvoir creuser votre trou par ici. Voilà. Faut savoir que quand vous activez la redstone, donc la poudre de redstone, celle-ci s'active instantanément. Donc, instantanément, elle est activée que ce soit ici ou ici. C'est instantané. Il n'y a pas de 3 secondes, 1 seconde ou autre. C'est instantané. Dès que vous activez un bout de la redstone, c'est activé sur toute la ligne de redstone, c'est instantané. Quand vous utilisez un répéteur, c'est 0,25. 0,25 par tick. Là, il est au tick numéro 1, donc c'est 0,25 de base. Vu qu'on ajoute 0,25, 0,75 parce qu'on ajoute encore une fois 0,25, et 1 seconde, parce qu'on a utilisé le quatrième tick. 4 fois 0,25 est égal 1. 1 seconde. Le but étant de désactiver ces pistons, ces 4 pistons là, après les deux qui sont là. Parce qu'il faut d'abord qu'ils retirent le bloc ici, qu'ils le mettent devant, et qu'ensuite les 4 rétractent sur le côté. Donc il faut d'abord désactiver ceux-là, et après désactiver ceux-là. Pour ça,
Celui-là, on va le mettre à 0,25, comme il est là. Et celui-ci, regardez. Donc si je le touche pas, il y a un bloc sur deux qui vient, il y a un petit bug, voilà, bref. Vous voyez que rien ne va plus. Donc notre but va être tout simplement de le laisser à 0,25. Il n'y a pas de souci, il est bien. Mais celui-ci, on va le mettre à 1 seconde. Après, on peut l'optimiser, on peut le baisser un petit peu. Mais moi, je vais le mettre à 1 seconde. Parce que vous avez 1 seconde ici avec la torche. Mais ici, là en dessous, je vous rappelle qu'on a mis une torche. Donc ça fait 1 seconde aussi. Donc entre les deux systèmes, là, on est égal. On a 1 seconde de temps. La poudre de redstone, c'est instantané. Donc on a des poudres de redstone, mais c'est instantané, donc on s'en fout. 1 seconde avec les deux torches. 0,25 ici. 1 seconde ici. Ça fait 2 secondes pour désactiver ce piston. Ça fait 1 seconde 25 pour désactiver ce piston là. Donc ces deux pistons là vont être désactivés avant cela. C'est exactement ce qu'on veut, donc c'est parfait. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à revenir en arrière et à refaire play. Parce que j'ai trop bien expliqué là. Oh, il était parfait mon explication. Bah, c'est bon ça. Alors donc, on va pouvoir tout simplement reboucher. Comme ceci. Voilà. J'ai fait des bêtises. Voilà. Je vais pouvoir venir faire un escalier. Pourquoi un escalier ? Tina, explique-nous pourquoi un escalier. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis à l'envers là sur la table de craft. Oh non, énorme que. Parce que tout simplement, en fait, j'imaginais l'escalier, je voulais le poser à l'envers ici. Voilà. Et comme ça coupe pas la poudre de redstone, et ben voilà pourquoi un escalier. Bref. Il va me falloir plusieurs choses. Déjà. Je vais aller casser le panneau qui est derrière. Ici. Voilà. Donc déjà une bonne chose de faite. Ensuite. Je vais. Pour pas que le système soit inondé de partout, je vais. Prendre des blocs de charbon. Que voici. Et je vais m'amuser déjà à remplacer quelques petits blocs. Genre là, c'est en charbon. Ça, on va le passer. Voilà. On va mettre du charbon et on va remettre ça. Ici, 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 ici. Et là, on va pouvoir venir tourner pour faire notre salle des coffres. Voilà. Tout simplement. Donc, système assez basique, hein. Donc maintenant, on va voir comment on va faire notre salle des coffres. Mais je vous dis, là, dans l'ensemble, c'est convenable. Alors, maintenant, il va nous falloir faire autre chose. Il va nous falloir faire un bouton. Donc, on va dire que c'est ce bouton-là. Mais quel bouton, Tina ? T'inquiète, garçon, ne bouge pas. Le bouton, il arrive. Je sais pas où je vais le prendre, mais il est là. Regarde. D'accord, ah, voilà. Tu vois ? Mais quel bouton, Tina ? Bah, le bouton qui est là, garçon. Le bouton que vous allez créer et que vous allez tout simplement venir poser ici, là, mais de l'autre côté. Donc, pour moi, ça va être ici. Logiquement, si je me suis pas trompé, il est ici le bouton. Alors, ce bouton va nous servir tout simplement pour venir activer le système. Alors, attendez. Ici, vous allez devoir me mettre, excusez-moi, un répéteur. Le répéteur, nous allons le faire grâce à la table de craft qui est ici. En prenant de la stone, très important. Voilà. De la redstone, très important aussi. Et deux torches. Que voici. Voilà. Ensuite, ce répéteur, vous allez pouvoir venir le mettre ici. Sur le bloc qui est là. Vous allez mettre, alors au-dessus du répéteur qui est ici, vous allez mettre un bloc. Le bloc va être alimenté grâce à cette poudre de redstone. Cette poudre de redstone va venir être tirée, hop, jusque là. Attendez, je vais trop vite là. Parce que quand on va activer le système, là, ça, le système il va s'allumer aussi. Donc ici. Je vais trop vite en besogne. Ah bon, en fait, je peux directement le relier là. Ah non. Non, relie-le pas. Merde. Désolé.
fait bugger. Alors faites pas comme j'ai fait. Le mec. Vous allez venir casser ce bloc-là parce qu'il sert à rien. Et celui-ci aussi. Voilà. Ce que vous allez pouvoir faire. C'est faire ça. Comme ceci. Et ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à descendre. Donc ça, vous allez le casser. Et on va pouvoir descendre tout doucement. Voilà. Ici, vous allez mettre une poudre, ici je vais venir là, comme ceci, ici vous allez me mettre un autre répéteur, comme ceci, non, c'est des stones qu'il me faut. Voilà, donc vous allez prendre des stones, vous allez mettre un autre répéteur ici. Comme ceci. Ce répéteur, vous allez venir le poser juste là, comme ceci, donc il sera relié au système qui est ici. Et vous allez pouvoir venir mettre tout simplement de la poudre redstone ici pour relier tout le système. Alors logiquement, quand je vais appuyer, tout à fait, ça fonctionne pas. C'est exactement ce que je voulais faire. Merde. Attendez, je vais déjà vérifier que ça fonctionne. Donc logiquement, voilà. Donc là, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc dès qu'on va remplir nos fours, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Par contre, maintenant, alors ça fonctionne. Moi, je sais pas, tout à l'heure, ça fonctionnait pas. Bon, bref. Là, le but va être tout simplement de faire ça et de courir très vite jusqu'à temps que... Voilà. Bon, on se prend un petit dégât, mais bon, c'est pas très très grave. Le principal étant que notre système fonctionne. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est l'allonger ici. Et on pourrait voir qu'on a un petit peu plus de temps pour réagir. Pas du tout. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est rester appuyé. Là, vous avez le temps. Voilà, au pire. Donc, à voir ce que vous voulez faire par la suite. Moi, je vais tout simplement reboucher ici. Voilà, et puis j'ai plus qu'à faire à creuser ma salle des coffres. Ce qu'on va bien sûr faire dans le prochain épisode. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, les amis. Hop, hop, voilà. Donc j'ai plus qu'à creuser ma salle des coffres. En attendant, nous, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour donner votre avis sur tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Je vais vite torcher ici pour pas que ça spawn. Voilà. On va le mettre sur les fours aussi. Le but, c'est que ça spawn pas du tout. Hein. Hop, le moindre écart d'ombre, je ne veux pas que ça apparaisse. Voilà, je pense que j'ai tout torché. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode, les amis, vous aura plu. Si jamais vous avez oublié, je vous propose de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour donner votre avis sur tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Et puis sur ce, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'aventure des enfers. Attendez, je me suis trompé. Je vais mettre plutôt ça ici à cuire. Et ici à cuire. Là, logiquement, le système, c'est pas ouvert. C'est normal. Parce que j'ai dû me tromper. Donc c'est ici alors. C'est simple, c'est 13, 12 et 12. Donc c'est plus. Ouais, ça doit être un petit peu plus. Oh, chut, j'ai pas d'autres trucs à cuire. Non, j'ai pas d'autres trucs à cuire. Attendez les amis, hein, 30 secondes. Et voilà. Le système s'est donc ouvert. J'espère que cet épisode vous aura plu. Puis sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'aventure des enfers. Bien sûr, c'est timé, c'est-à-dire que quand le four aura fini de cuire, logiquement, le système va s'éteindre. À vérifier ça dans quelques instants. Ou pas.
Ouais, ou peut-être pas en fait. Les items sont encore dans le four. Donc il faudra peut-être imaginer un système pour retirer les objets du four. On verra ça dans tous les cas dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode, encore une fois pour la dernière fois, cet épisode vous aura plu. Si jamais vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire pour donner votre avis sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode. N'hésitez pas à partager. Puis sur ce, je vous dis à très vite. Allez, bye tout le monde.